Re à tous. Bon. On y est les gars. Le boss final avec 4 croisés. Et vous demandez certainement, mais pourquoi il fait ça? Ce groupe n'est pas optimal. Oh que si. Oh que si il est optimal. Je ne peux pas perdre avec ce groupe. Regardez. Si je gagne, bah j'ai gagné. Si je perds, c'est des croisés. Ils veulent combattre jusqu'à leur mort et combattre les saloperies, les hérétiques et toutes ces merdes jusqu'à leur mort. Donc s'ils meurent, NP. Il y aura pas de soucis. Je suis forcément gagnant. Et les trinquettes, exact. Les trinquettes. Alors, on veut mettre un stunt sur un. Toi, tu prendras le stunt LP. Full crise cardiaque, let's go. Alors, toi, tu porteras le stun. Toi, tu es désigné porteur de stun. De stunt. On va du coup te mettre ça. Hop. On te met l'épée. Ça réduit grandement le stress. Et lui, il sera un peu le frontliner. Un peu triste de plus utiliser les persos ayant déjà vu le Darkest Dungeon. Ouais, tu peux le faire qu'une fois. Attends, mais quand j'ai récupéré ça, j'étais persuadé de récupérer un artefact bien pour Melon qu'il avait pas, mais en fait, je l'avais déjà en double. Donc là, je l'ai en triple. Bah super. Woodlike Star, merci beaucoup pour le prime, mec. Peut-être lui mettre... En vrai, ça sera bien. Ouais. Vu qu'il sera en frontline. Alors, lui... Du dégât. Et dégât plus précision. Dégâts plus précision et... Tout le stuff qu'il va perdre. Ah oui, merde, j'avais pas pensé à ça. Ah merde, c'est vrai que s'ils meurent tous... Ah, s'ils meurent tous, c'est vrai que je perds les items. Ah là, c'est beaucoup moins drôle du coup. Mais après, ça voudrait partir du... Ça veut dire qu'on part du principe qu'ils vont échouer. Est-ce qu'ils vont échouer? Bah, il y a de fortes chances qu'ils échouent. Y a le corbeau, sinon? C'est vrai qu'il y a le corbeau. Allez, moi je dis on va à la bataille. Et on espère de tout notre cœur... que les croisés l'emportent. C'est vrai qu'il y aura le corbeau au cas où. Une vestale peut-être? Non. Nous devons y aller. Je dois le faire. C'est l'accomplissement de ma carrière. Que ce soit une victoire ou une défaite, je dois le faire. Alors si j'ai pas de bêtises, à l'intérieur de ça, t'as pas besoin de torche. Ni de clé, ni de pelle. Enfin, torche peut-être. Bon, au pire, je perds quoi? Je perds que dalle en gold. Ça, faut prendre.
Ça, j'imagine qu'il y en a, faut prendre. On sait jamais. De l'eau bénite. Prenez tout. Les écailles. Bah, dans le doute, on va prendre toutes les torches possibles. Allez. J'ai pris plein de trucs. Il y aura certainement la moitié qui seront inutiles. Mais, Osef. Pour financer l'effort de guerre, on va vendre des artefacts qu'on n'utilise jamais. Pour monter à 200 000 plus, parce qu'on veut avoir 200 000 plus. Pas besoin de l'avoir en double. Je l'utilise absolument jamais. Et pas besoin d'avoir le collier de melon en triple. Voilà. Onoshishi Ono, non, Onoshishil. Merci pour le prime et bienvenue à toi, James Adams 40, ainsi que Giffen. Merci à vous pour les primes et bienvenue à vous. À l'attaque. Je crois en vous les gars, je crois en vous. Même si vous échouez, je vous en voudrai pas et vous continuerez d'être ma classe préférée. Les croisés, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et même si ça se passe mal, ça se passe pas vraiment mal. Ymir Loctares, merci pour le prime. Hein? What? C'est le néant distordu? In all my terrible researches, what I sought was a glimpse behind the veil. Très bien. A crumb of cosmic truth. I found it here. And in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man. And became a herald. Oh non. Of the crawling chaos. Non, c'est devenu une représentation du chaos distordu de la mort. Ah d'accord, bah une prochaine fois hein. Traduit, ouais, en gros il a dit que, en fait à la base, il a lancé une partie de Fortnite, puis la corruption s'est emparée de lui, et il s'est retrouvé dans le néant distordu à devenir une représentation du chaos distordu de Fortnite. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing. En fait, si je traduis par-dessus, on pourra pas l'entendre. Accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. En vrai, ça va, c'est pas de l'anglais compliqué, mais pour le moment, ce qu'il dit. Je pense qu'au moins 50% comprend. The Dave, merci pour les 300 bits. Seulement si je commence à gagner. Chained here forever, you and I, at the end of the world. Oh que non. Free yourself, rouse the thing, and embrace the ineffable cosmic hideousness that lives within us all. Ouais, bah t'es bien gentil avec tes discours, mais tu vas voir ce que je vais te faire. Hein. La distorsion. La faille dans le néant distordu. Nous y sommes. Allez. You still foolishly consider yourself an entity separate from the whole. I know better. And I will show you. OK, on veut focus ces mecs là en premier. Est-ce que je les stun?
Parfait. Il reste celui-ci que je peux atteindre. Ah non, il est capable de faire ça en boucle. Et si je le frappe lui, ça fait quoi? D'accord, immune. Je ne peux pas le frapper. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas. Ok, il m'a fait une magie noire. Le boss final, c'est le narrateur, oui. Ok, les heals. Vil invocateur, arrête tes manigances. Ah. Bon, s'agirait d'en tuer un jour là. Attends, mais s'il fait ça en boucle... Non, là par contre, il y a les questions, je suis censé gagner comment en fait? Parce que lui, il est immunisé. Je peux pas lui faire de dégâts. Et il en réanime 3 à chaque fois. Il a peut-être un nombre limité d'invocations. Ou faut que je les one-turn tous? Donc faut que je les mette tous low et après que je prie pour tous les tuer d'un coup. Ah bah pas de chance, j'ai crit. Attends, il y a eu du changement là. Il y a eu du changement là. Woodlike Star, merci pour les 300 bits. Oui, je me rappelle de l'homme qui écrasait des joints dans les grands-mères. Bon, lui, il a l'air d'être dangereux. Lui, je pourrais le finir. D'accord, il en fait pop des nouveaux maintenant. Ah là là, j'ai besoin de mettre ça. Pepper, merci beaucoup pour le sub. Attends, avant faut que je lui mette un petit bandage. Tiens, on va lui mettre une eau bénite aussi. Lui il est stun. Tuer celui-ci. Lui il est stun. Ok, lui il pourra pas jouer. Je sais pas ce qu'il va faire là. Ah, il a perdu 1 HP. Ça sert à rien que je le frappe. Autant que je heal quelqu'un. Junkie Cat, merci pour le prime. D'accord. Donc buter ses invocations, ça le tue lui. Il lui reste donc 4 HP. Il a encore perdu des dégâts. Vous m'avez compris. Lui on va le stun parce que lui il est plus facile à atteindre, je peux l'atteindre avec les lances sacrées. Ah dommage. J'ai pas eu des bons jets de dégâts, j'aurais pu le tuer sur ce tour-ci. Je veux tuer ce mec là. Choose. Nice, ça avait l'air d'être une sale attaque. Parfait, il est stun. Ok, il lui reste plus que 2 HP. Ceux-là sont un peu plus squishy. Nice, ça, ça m'aide bien, ça. Ça, c'est les petits crits qui font vraiment plaisir. Chercher à stun ce mec-là, nice, je l'ai crit.
Oh, ça crie dur. Et lui, il pourra pas jouer. Ah, il va encore en faire pop. Il lui reste quoi, 2 HP? On va éliminer celui-ci. Il lui reste 1 HP. Faut que je rebute des invocations jusqu'à temps qu'il perde 1 HP et on est bon. Et il est stun, il y en aura qu'un qui va jouer. Sauf si je crit. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il va encore le faire? Nice! D'accord. Donc là c'est une autre version de lui-même. Il est pas si résistant que ça au stun. Il y a moyen de le stun. Ça, ça sert à rien de taper ça j'imagine. Oui voilà, 1000 points de vie, bon. J'imagine que c'est comme les piliers du prophète là. Bon bah du coup avec la backline on va en profiter pour se heal. Et on va espérer le stun. Parfait, je les stun. Il n'y a qu'une seule action par tour. Du coup là c'est de nouveau à moi. Je peux chercher à lui remettre un stun. Oh nice. Du coup là c'est le moment d'en profiter pour eux quoi. Se remettre des HP. Et avec ces deux là on frappe. Et avec eux on soigne. Bon, si j'arrive encore à lui mettre un stun, c'est vraiment un délire. Parce que là, il est surbuffé. Plus tu prends le stun, plus tu deviens résistant au stun. Donc là, il en a déjà pris 2 à la suite. Je doute qu'il en prenne 3 à la suite. Ce serait quand même vraiment con. Ouais. Après, il y a le petit poison qui se stack. Bon, c'est pas grand-chose, mais... Oh, j'ai une esquive en plus. Là, il est dans une position où je peux l'atteindre avec mes lances. Pas cliquer trop vite, faudrait vraiment pas misclic sur une de ces merdes. Tant que j'y suis, je peux essayer de lui redonner un peu de morale. Il est quoi, il est midlife là? S'il revient en première ou deuxième position. Let's go les croisés! Et un crit en plus de ça. Bon, je peux pas l'atteindre avec ces deux-là. Du coup, je peux m'en servir pour faire baisser le stress et les remettre totalement full. Monsieur, faut toucher vos coups là quand même, ça devient gênant. Bah il va se déstresser hein. Il a perdu sa résistance au stun, donc il y a grande chance que ça passe. Parfait. De quoi regonfler le moral des troupes. Est-ce que je vais lui en remettre un? Non. Ah, il lui reste 6 HP. Il aura le temps de faire une dernière attaque, malheureusement. C'est normal qu'il loupe tous ses coups comme ça? Oh mon dieu! C'est devenu... Je sais pas ce que c'est devenu, mais c'est devenu. Un cœur. Un cœur à trouer. Un cœur qu'on peut attaquer dans toutes les positions et qui est stun. Me demandez pas comment j'ai stun un cœur, mais apparemment je les stun. Ah merde, le frapper. Ah, c'est ça le revers de la médaille. Tu le frappes, il t'empoisonne, salaud, va. Mais il te rend de la vie également. Il t'empoisonne et te rend de la vie, c'est... D'accord. Il a mis un empoisonnement. Est-ce que je les re-stun? Non. Il peut... C'est le moment de boire de l'eau bénite.
pour augmenter sa résistance au poison. En vrai... Ouais. Y'a plus de musique. Je sais pas si c'est normal. Ah merde, il l'a quand même pris. Il va faire quoi comme attaque? Dispersion? Ok, c'était rien d'autre que du poison en zone. Et vu que j'avais l'eau bénite, on était tous très résistants au poison. Bah je vais l'achever. Behold the heart of the world, progenitor of life. Et là c'est Chlombibou and mother, Alpha and Omega. Le cœur! Le cœur des ténèbres! Alors pas de protection. Bah nique ta mère hein. Il est stunt. Quoi? Non! Ce fils de pute! Vous voyez ce qu'il veut faire? Je suis obligé de lui en donner un. Non! 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 Si j'avais su, j'aurais pas pris que des croisés pour sacrifier autre chose. Ah, le choix est dur, les gars. Deus Vult ou bien Deus Vult? Ah, je suis un peu plus attaché à Deus Vult. Mais Deus Vult est un bon compatriote. Qui a le plus de stress? Lui, il en a 40. Tout le monde est full life. Mais lui, il a un poison sur la gueule. Théoriquement, on veut se débarrasser de celui qui a un poison sur la gueule, non? C'est quoi leurs artefacts? Ah, je peux pas check. Ah bah oui, hein. Bah oui, hein. Il est pas très résistant au poison, donc je pourrais le stacker avec lui. Celui qui stun, on veut le garder à tout prix. Donc j'hésite entre un du milieu. Ouais, il a un poison sur la gueule. Même si je peux le soigner facilement... Ah, ça me rend triste de devoir faire ça, mais... Désolé, bro. Ah ouais... Titan culé. Nice! Il avait le bâton de crit. Enfin, le stylo de crit. Meurs! Abomination! On s'en fout, c'est qu'une ligne de code. Ces croisés pour toi ne sont qu'une ligne de code. Non, 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 non. T'es pas un vrai gamer. Ça se ressent que ton âme est pas gaming. Non, non, c'est bon. Encore? Mais fils de pute! C'est quoi la prochaine étape? Il va me faire payer des impôts? C'est lui qui a le stylo, je crois. Donc lui. Je me suis trompé ou pas? Attaque de stress. Nice, il a le stylo. Crève! Tiens! Nice, il est stun, il pourra pas jouer. J'espère qu'il va pas encore m'en prendre un. Après, ce serait héroïque, il y aurait un seul croisé. Ordure! 3 HP. Le dot est de 2. Il lui reste 1 HP. Mais t'es une petite pute, en fait! Il y en a un autre? Non, je pense... Et je garde les artefacts! Est-ce que j'aurais pas fini le jeu avec 4 croisés? A hollow and ridiculous notion.
We are born of this thing, made from it. And we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh. Multiplying, swarming, living, dying. Until the stars align in their inexorable formation. And what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock, and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil, haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Has come to our family. Ruin has come to our family. Tu peux continuer? I see something long absent in the sunken faces of passers-by. Bon bah j'en aurais perdu deux. Mais c'est pas grave, j'ai plein de croisés. Et ils étaient pas nommés. Ils n'avaient pas de nom, donc quelque part, j'étais moins attaché à eux. Tant pis, ils ont bien combattu. Ils sont morts en héros. Félicitations à tous. Je suis fier de ce que nous avons accompli. Malgré la difficulté, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué de croire. Jusqu'au bout. Je suis très fier. Je suis très fier. Je suis heureux et fier de ce qui vient de se passer. J'ai réussi à faire passer un message. Le boss a été vaincu avec une compo quadruple croisée. Bravo à tous. On peut se féliciter. J'ai eu un peu de chat aussi, je pense. Un peu beaucoup, parce qu'il y a un moment, le mec, il loupait toutes ses attaques. Il a chopé quoi comme maladie? L'ennui. Moins de chance de vertu. En même temps, il en a trop vu, lui. Hein. Tu m'étonnes. On peut pas lui en vouloir, le pauvre. Bon. Eh bien, dans le cimetière, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura Sardoche, Koro Bizarre, mais ils auront eu des répliques de même, on ne sait pas pourquoi. Alderiat, Tepus, Kotei, Adreitael, Kradouk, Roi des Bisous, un deuxième Alderiat, Corbier, Chap, Poignant. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, j'ai pas la moindre putain d'idée de qui c'est. Il a pop, j'ai même pas eu le temps de le nommer, il est mort. Je sais pas.
boss, je sais pas qui c'est. Et les deux héros qui nous auront permis de vaincre le cœur des ténèbres. Bon, je sais pas si vous avez lu ou compris la cinématique, mais ça te donne pas un énorme sentiment d'avoir complété l'affaire. Et ça, c'est triste. Ok, donc je ne peux plus sélectionner le Darkest Dungeon. Enfin, après, c'est pas triste parce que ça va bien dans la veine du jeu, je veux dire, c'est très sombre. Mais, ok, on peut plus y aller dans le Darkest Dungeon. C'est complété, c'est fini, c'est anéanti. Il y a eu des abonnements. Taker Frère, merci à toi pour le Prime. L'Ours Barbu, ainsi que Bressy, merci à vous pour les abonnements et bienvenue au nouveau sub. Bon. Eh bien, il y a les vampires maintenant. J'avais dit que j'attaquerais les vampires après le Darkest Dungeon. Bah, il est temps de s'y mettre. Et en parallèle, je continuerai d'upgrade le Wild, les Terriers et la Creek. 4, 5, 6. Faut tous les faire passer 7. Allez, on va voir les vampires. C'est parti pour le DLC Crimson Court maintenant. Alors, il nous faut des aventuriers niveau 2 maximum. Je pense que vampire égale saignement, donc avoir un médecin de la peste, c'est pas mal. On va prendre une petite furie également. Ok, ça l'a fait avancer. On pourrait prendre une aide-soignante. Dash. Et melon. Il est temps de t'utiliser. Monsieur le flagellant. Tu as peur des impies. Ah bah ça commence mal. Hein. Et il fait 15% de dégâts en moins sur le premier round. Ok, on veut s'en servir comme d'une classe DPS là. Ok. C'est une classe que tu veux jouer en étant low life. Ok, ça il peut. Bon, je vais le prendre en mode YOLO. Pour le moment. Je vais le prendre comme ça et on verra sur le tas. On va lui mettre. Il est en troisième position. Je vais peut-être lui donner son. Ouais, non. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Je vais lui mettre ça et les petites herbes. Pour ce qui est de la Vestale, bah, c'est vraiment cool que j'ai perdu aucun artefact, ça m'aurait rendu triste d'en perdre. Mais j'en ai perdu aucun, j'ai bien tout récupéré à la fin. J'avais ça, des anneaux de vertu. J'avais la fameuse torche aussi, qui est toujours là. Ah non, j'avais ça aussi, ouais non j'ai rien perdu. Du coup. Mais merde, ah d'accord je trouvais pas, j'ai trop de parchemin. Il est où son petit livre? Ah, il est là. Ok, maintenant pour ce qui est de la furie. Ah, ça la rend... Ouais, quand il n'y a pas beaucoup de torches, mais non, je vais pas jouer comme ça. D'ailleurs, je sais pas comment ça fonctionne, les torches dans le Crimson Court. Ok. On va lui mettre ça. On va lui mettre un anneau pour de la précision. Et le petit père melon, il a l'air de bien synergiser avec les saignements. J'ai pas une pierre de saignement? Non, j'ai rien pour les saignements. Attends, je pourrais plutôt lui mettre ça. Tiens, c'est quoi ça? Ah mais ça c'est uniquement force, il est à la porte de la mort. Je pense pas qu'on va le mettre à la porte de la mort. Après je sais qu'il doit jouer comme ça, enfin il est spécial à jouer le flagellant. On va prendre un truc random hein. On va lui mettre ça et lui, voilà. Je sais pas quoi mettre, ça va, c'est qu'une mission de niveau 1 de toute façon. Il a fini le jeu, pourquoi il refait une équipe? T'as pas suivi. Non, je répondrai pas. T'as pas suivi, je vois pas pourquoi je répondrai. Alors, ma mission c'est de faire ça. Y a pas de... Ah, c'est qu'une expédition niveau 1. Wouah, on peut réduire ça. Prendre deux pelles. On a le truc pour les bandages, ça on sait jamais.
Le sang. Non, le sang, c'est quand il y a des gens qui sont contaminés. Là, il n'y en a pas encore. Ouais. Donc là, j'ai fini le Darkest Dungeon et là, j'attaque l'extension Crimson Court. Allez, pas besoin de se prendre autant la tête. Je pense que ça va être tranquille. For the diligent custodians I employed. Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. Despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues. Ah bah bravo. Our salacious trysts half hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper. Into the mud. Ça vous apprendra. Ça vous apprendra à devenir corrompu. Alors. Soaked and sinking, these stone terraces and sprawling gardens were the site of long forgotten revelry and well remembered regret. D'accord, on peut entendre des moustiques ou des mouches. Allez. Ah d'accord, donc d'accord, lumière sanguine. Ah! D'accord, oh, utiliser une torche donne de la précision dans ce... pour une bataille. Donc les torches restent assez intéressantes. Ok. Je sais pas trop ce qu'il faut utiliser pour... Je connais pas le wiki de cette zone-là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Alors... Ouais, on va frapper ça. C'est des hommes vampires moustiques? Ah, il a esquivé le salopard. Le saignement va le tuer. Ok, ils sont tous les deux morts, ils auront même pas eu le temps de jouer. En gros, ton objectif avec le flagellant, c'est qu'il descende en dessous des 40% HP tous les 3 tours pour optimiser ses grosses compétences, Alderiat. Oui, je me rappelle, j'avais regardé un stream Darkest Dungeon, du coup, où il y avait un mec qui jouait le flagellant, et il le gardait tout le temps low life, et je comprenais pas. Mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, il se jouait comme ça. Au début, je suis arrivé sur le stream, le mec avait l'air trop serein, j'étais là, mais non, il va mourir! Et non, pas du tout. Bloodsucker. D'accord, donc ils n'ont pas d'autre catégorie, c'est juste des suceurs de sang. Ça, ça permet d'attaquer les deux de la backline. Allez, hein! Ils ont tous les... Ah ouais! Bon, après, je le savais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit déjà comme ça dès le bas niveau. En gros, le flagellant est spécialisé dans les saignements. Et là, il inflige déjà des saignements assez insane. Faut que je lui mette un coup pour qu'il meure de ses futures dots. La musique de fond est vraiment bien. Malheureusement, elle est ruinée par des moustiques. Donc il y avait un moustique, mais quand il est sorti, on a vu un crâne humain. Donc il y a un gros moustique qui est venu se greffer sur le mec. C'est pas son vrai visage. C'est ça que je dois activer? Une tique? Ouais, une tique. Ouais, c'est une tique. D'accord, et c'est comme dans le Darkest Dungeon. C'est-à-dire que j'explore petit à petit, mais j'ai pas la carte du truc. Qu'est-ce qui pourrait marcher? On va tenter des trucs random, hein. Je sais pas, une torche pour brûler les... Non? Une pelle? La pelle marche! Ok, donc le vase, c'est pelle. J'ai un héros qui est condamné. Ah, Dash. La malédiction cramoisie.
Il est moins résistant au poison, saignement, stun, 10% d'HP en moins, mais il est plus rapide. Ouais, bon, c'est de la merde. C'est vraiment pas ce que tu veux. Madness. C'est quoi ça? Torche? Torche marche! Et ça débuffe le stress. Putain, pour le moment j'ai de la chatte. Parce que j'ai pas regardé le wiki de cette zone. Donc là je fais en freestyle. Et j'essaie de découvrir parce qu'une fois que t'as découvert, les items seront automatiquement recommandés quand tu checkeras un truc. Comment ça s'est passé avec les 4 croisés? Ah là, toi tu as loupé le plus important. Ok, donc ils ne sont vraiment pas résistants au saignement. Je pense que le petit melon, on va s'en servir. On va s'en servir dans cette extension. Car les mobs ont pas l'air du tout résistants au saignement par ici. Ah d'accord. Donc ça, je croyais que c'était un truc du décor au fond. Je voyais pas vraiment ça comme un obstacle, mais c'en était un. Flagellant LD, je suis déçu, tu n'es pas au bout de tes convictions. Fallait lui donner une chance. De plus, c'est un membre de la lumière. Même s'il adore les fouets et la douleur, c'est un membre de la lumière. Oui, j'ai eu que 2 morts, mais de toute manière, je pouvais pas les éviter avec ma compo, comme tu dis exact. Donc je pense que c'est une bonne perf. Oublie pas la nouvelle utilisation des torches. C'est vrai ça, exact. Booster la précision. Mais c'est pas stackable. Encore heureux, quelque part. Ouais, c'est Crimson Curse. Lui va mourir des dots. Quoique. Ah non, il l'a gardé. Ah, il va quand même mourir des dots, donc on s'en bat les couilles. Ah, je lui ai pas mis de stun. Faudrait que je change ses compétences si je les ai. T'as fait des cauchemars avec des anneaux LD cette nuit? Non. Ah ouais, pour la technique du stress que j'ai complètement raté. Eradicated. Ah merde, j'aurais dû lui retirer le poison. Après j'ai un anti-poison. C'est quel genre d'attaque ça? Confidence surges as the enemy crumbles. Du sang. À partir de maintenant, le sang, dès que j'en trouve, je veux le récupérer. Enfin, je veux le stacker. Parce que maintenant, il va y avoir des histoires de malédiction cramoisie, etc. Et je sais pas du tout comment ça se gère. Oh non, mais la chiante. Ah bah, elle saigne. Et j'ai pas de bandage. Bon, il n'y a pas de feu de camp. Ça, c'est torche. Ouais, c'est torche. Ah merde, j'aurais dû le faire sur quelqu'un d'autre. J'avais oublié. Je croyais que c'était des loot. Non, c'était pour le moral. Ok, où est-ce qu'il faut aller? Alors. Allez, je vais aller vers le haut. Quel est le perso le plus à droite? C'est le flagellant. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour ça? En vrai, il faudrait peut-être des bandages pour ça. Peut-être même du sang. Non, je pense pas qu'il te demande d'utiliser du sang. Torche, je pense pas. Pelle, j'en ai plus qu'une. Clé, ça aurait aucun sens. Ça se trouve, faut brûler le corps. Hein. Ah non, bah je sais pas. Bandage? Je pense que c'est bandage, ouais. C'est ce qui aurait le plus de sens, le truc il a l'air plein de sang. Another abomination cleansed from our lands. Ah! Quand tu veux aller trop vite et que tu miscliques. Oui, c'est le DLC Crimson Court. Exact. Donc si je le fais, c'est parce que j'ai fini la quête principale. En vrai, j'aime bien son attaque.
En fait, le truc qui me repousse avec ce personnage, c'est... Y'a trop de piques. Encore qu'il soit plein de sang, soit. Mais tous ces piques, c'est un peu extravagant quand même. Regarde son gros collier de piques là, c'est des délires un peu bizarres. Un hôtel. Ça, je pense que c'est une histoire d'eau bénite. Mais je vais le checker, tu sais quoi. Oh. Ah non, d'accord. Ça, c'est stackable. La pelle, je peux en avoir besoin. La clé également. J'ai assez d'or de côté. Ça, ça vaut plus que ça. Et ça, ce sera vite plus stacké que ça. Donc on va prendre... Ouais, on va faire comme ça. Ah d'accord. Donc c'était une pièce annexe. C'est toujours la faute. Donc faut que j'aille en bas ou tout droit. C'est sympathique les moustiques en tout cas. Ok, donc c'est par là. Enfin normalement. Alors trois moustiques. Et un servant. Ok, c'est une attaque anti-morale. Bien joué ça. Triple crit, triple one shot. Bon bah ça va tout simplement crever hein. Allez, ça suffit maintenant hein. Ça c'est pour la quête, je peux pas m'en débarrasser. Je pense tant pis. Je vais replacer. Mets le stun sur la vestale, bordel de couilles. Merci pour ce bordel à couilles. Move to curio. Et je crois que c'est pas le truc de quête là. Bon. Alors ça, faut une pelle. Pourquoi c'est melon le flagellant? Pour des raisons obscures qui ne seront pas dites sur ce stream. Qui es-tu? Tiens, check-le toi. Ah ah, c'est par là? Peut-être qu'il fallait lui donner du sang à ce mec là. Ouais. Je checkerai le wiki. Crocopore. Vampire crocodile moustique. Pas très résistant au saignement. Je le connais déjà, je l'ai déjà croisé dans Color of Madness. Un saignement. Ah, il est résistant à ça, mais... Elle pourra pas l'atteindre. Et là, son artefact. Allez, on va tenter, hein. Stacker les dots. Nice. Les dots se stack. 9 de dégâts par tour. Ok. Dégâts de zone et dégâts de morale. Je peux pas l'atteindre avec elle. Non. On voit la buff. 7 de précision et 24% de dégâts en plus. Fabino, merci pour le prime. Bienvenue à toi mec. Ok, donc il s'est camouflé, ça augmente quoi? Ses dégâts et sa protection. Ouais, donc les dots ça devient encore plus intéressant. Je pourrais tenter de le stun là. Parfait, il est stun. Là du coup je veux stacker les saignements. Aïe 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 aïe, coup dur. Ah, il a résisté, coup dur. 1002 zones, je pense.
Là, je peux l'atteindre. Il a plus de dot. Il va nous refaire la même attaque. On a tout dodge. La torche, je l'ai déjà. Je l'ai activée en rentrant dans la pièce. 95% de chance de toucher quand même. Ok, je peux la faire qu'une fois. Là, c'est que la dernière position. Est-ce que son buff est stackable? Son buff est stackable. Allez, il va avancer. Ah non, le petit bâtard, il s'est mis dans l'eau, il va se soigner. Ah ah! Coup dur pour Dash, mais au moins il s'est exposé, on peut le punir. Il va faire quoi là? Il se cache. Il refait son buff, je peux l'atteindre. Crit. Ça va, il est fini là, je pense. Faudrait lui mettre un bon heal. Ah, il a un gros dot. Il va essayer de se soigner, mais il reste à portée de coup du coup. Ça augmente grandement son esquive quand il fait ça. Ouais, j'ai 63% de chance de le toucher. Ça passe, et le blitz se stack. 10 de saignement, 6 de poison. Ouais, elle est finie. Oh, un artefact only occultiste. Tu sens, le sang est stackable. C'est bon. C'est fini. Attends, non, c'est pas fini. J'ai sacrifié juste les torches, ouais. Bon, ça va, tant pis. Oui, c'est vrai qu'il faut une troisième curiosité à activer. Ah, et j'ai plus de pelle. Dans ma tête, c'était le boss. C'était pas le boss. Enfin, si, c'était un boss, mais... Bah, j'ai plus de pelle. Va falloir utiliser ses mains, hein. Du coup, tout le monde prend des dégâts et des dégâts de stress. Ça fait quoi si je te donne du sang? Devient moins résistant au saignement, mais plus fort, plus de dégâts, plus de speed, plus de résistance au stun et plus de résistance au poison. Et ça dure combien de temps? Y'a pas... Ça dure tout le donjon? Ok, là j'ai gagné. Là, c'est fini. Cette ambiance est ignoble. Oh. Ah, les riches, hein. Ça boit du vin, hein. Un bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat. Ah bah bravo. In a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Ah! Elle les a tous contaminés, la vilaine! C'était la Solari Party. Ils ont tous été contaminés par la musique de Narcus. Anticarian only. Oh! Occultiste et antiquaire, les petits bâtards, ils essaient de me... ils essaient de me forcer, hein. Précis Striker, hein. Ah, ça c'est nul sur elle. Encore moins résistante au stun. These swarming fiends carry a pernicious plague.
D'accord, donc toutes les régions... Dans toutes les régions, il va y avoir des adversaires du courtyard. Je pense que maintenant que j'y suis, je vais tenter de faire le courtyard à fond. Ça c'est niveau 3, ça c'est niveau 5. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tuer un baron? Bon, j'avais dit que je m'arrêtais à 20h, mais je suis très tenté par de voir qui est ce baron. Du coup, j'en fais une petite dernière. Allez, c'est une petite dernière. J'ai gagné une sorte d'invitation. Yo King, you holdé une team qui pourrait te plaire. Mousquetaire, ah bah ça commence mal. Jester, occultiste. Je fous de la gueule de qui là? Mais tu peux le changer pour un maître chien ou un truc qui marque et un flagellant. Cette team a beaucoup de dégâts, où que soit l'adversaire, et pas mal de sustain. Yo King, je ne vois ni de lépreux, ni de croisés, ni de vestal. Et tu me dis que ça pourrait me plaire, hein? Yo King, merci pour tes 3 euros, mais tout de même. Tout de même, monsieur. Tiens, on va tenter... Andreas, il est tout stressé. Il est totus stressé, Andreas. On va l'envoyer se fouetter. Dash, il va aller prier un coup. D'accord, donc quand ils partagent leur truc de relaxation avec quelqu'un d'autre, ils peuvent les contaminer. Mais là, c'est pas un mec que je possède, du coup, il pourra pas le contaminer. Le flagellant est un religieux, certes, certes. Donc il me faut un groupe de niveau 3. Alors, pourquoi pas? Juice, Zach. Tape. Ah mais les niveaux 4 acceptent les missions de niveau 3 aussi. Anarchus, vas-y Anarchus. Tu vas chanter ton tube de l'été là. Avec ton finish move, ça aidera certainement pour un boss. Et bonne synergie avec les crits sur lui et lui. Je veux voir s'ils ont pas moyen de s'améliorer. Ok. Allez, c'est la dernière. On va voir à quoi il ressemble, ce fameux baron. En général, quand il n'y a pas de lumière du tout, c'est que les artefacts de lumière marchent automatiquement. Donc ça marchera. Enfin, quand il n'y a pas de lumière, elle est considérée comme à 100 en permanence. Si je dis pas de bêtises. Quand tu peux pas régler la lumière toi-même, c'est que les artefacts d'ombre ne marchent plus, mais les artefacts de lumière continuent de marcher. Je crois que c'est ça. Vachement glauque les PNJ qui se transforment. Ah, ça fait partie des risques. Hein. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Oui, quand la lumière n'est pas réglable, c'est à 100. D'accord, c'est bien ce que je me disais. C'est ce que j'avais remarqué. Enfin, les trinkets de lumière marchent. J'ai des artefacts anti-bloodsucker, je crois. Des trucs de Crimson Curtain Lee. J'avais pas genre un petit pot ou ça? 25% de dégâts en plus contre les suceurs de sang. Bah vas-y, hein, prends ton petit pot. Et la vestale, le parchemin et le livre. Et on est bien. D'accord. Donc on a qu'une seule invitation. C'est-à-dire que là, si par exemple on se loupe, c'est fucked et on doit trouver un autre moyen d'avoir une invitation. Je sais pas comment ça marche. Kagan Holde, je t'en supplie, tu peux remettre le condensé des étoiles de l'esport chez Solaris sur ta chaîne YouTube, c'était incroyable. Je crois qu'il existe encore les versions entières. Ah, je sais plus où c'est. Et non, je peux pas le remettre. Je suis désolé Kagano. Mais je crois qu'il y a encore les versions entières quelque part, hein. Ah ouais, donc là il propose plein de trucs, donc j'imagine que la mission est longue. Bah dans le doute on va prendre plein de nourriture, hein. Quoique...
Ah, on n'est jamais trop. Ah, c'est trop. Ah là, on n'est jamais trop prudent. 4 pelles. 4 clés. 16 torches pour les bonus. On va prendre du sang, au pire on le ramènera. On va prendre 2 bouteilles de sang. Le dos? Mais de quel dos vous parlez? Des bandages. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti, let's go. They would arrive in team boards, adorned in powdered wigs and pretension, seeking to slake their thirst on wine and indecency. Mel's intoxication invariably took hold. Innocuous frivolities would escalate to ever more disturbing diversions. Orchestrating the hideous affair was a hunchbacked fiend who seemed to delight in proportion to the suffering he caused. I could have stopped him, I suppose. But I was a slave to my own appetites, and restraint would have rendered me a hypocrite. Bah bravo. C'est pas bien ça. C'est pas bien d'être un hypocrite, monsieur. This quest is epic! You are not expected to finish epic quest in one attempt. You may regroup, entre parenthèses, abandon the quest at any time, and your progress is saved. When you obtain another invitation, you may continue the quest from here you left off. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une quête très très dure, et qu'on n'est pas supposé la gagner, et que si on est obligé de s'enfuir lorsqu'on reviendra avec un autre groupe, on reprendra là où le dernier groupe s'est arrêté. Donc théoriquement, si je le fais en une fois, c'est que c'est bien. Ça, c'est des bandages. Let's go, j'en étais sûr. La petite fiole anti-bloodsucker. Quoi? Mais ça, c'est un truc d'enculé, par contre. Je peux pas la faire plus bouger. Et du coup, mon lépreux, il peut... Ah ouais, c'est comme ça, hein. Tu le feras jamais en une fois sans une bonne team niveau 6. Mais la mission était de niveau 3. La mission était de niveau 3, je pouvais pas prendre des mecs de niveau 6. Crimson Curse. Decimated. Curious is the trap maker's art. Ouais, ça a fait trop mal. Efficacy unwitnessed by his own eyes. Ça sera bon pour la prochaine bataille. Si les niveaux 6 acceptent une mission de niveau 3, ah bah ça je savais pas moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Chevalier? Ils ont vraiment décidé d'appeler cette horreur chevalier. Ça c'est un chevalier. Pas très bien. Cette merde est un chevalier. Il va avoir le temps de jouer, on va voir ce qu'il fait. Le saignement est pas trop vénère, mais il m'a mis un crit. Il lui reste un HP, on pourra le frapper en zone avec Juice. Elle, faut qu'elle se mette un... Ou alors elle frappe lui. Comme ça, elle se heal avec de la chance, Juice, il tue les deux. Encore mieux, il se tout seul. Confidence surges as the enemy crumbles.
seize this momentum. Push on to the task's end. Moi, je dis, c'est tout droit. Ils sont là, eux aussi ? Les Schlomboulbis sont dans cet endroit ? Et ça, c'est une courtisane ? Enfin, ça veut bien dire la même chose. Attendez. Courtisane. Ouais, une courtisane. Bah bravo. Elle me met une gifle. Je viens de me faire gifler par une courtisane. Il y a moyen de l'atteindre. Et si je la crit, je la one shot. Aïe aïe aïe. Mettre des vilains crits quand même. Ha ! Ah ! Elle a révélé sa véritable forme. Son dodge a grandement monté. Bon, moi, il frappe toujours celui qui est... Grievous injury. Palpable fear. Deux crits à la suite. Ok. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord. A victory. Perhaps the turning point. Il a pris des salles de gain, faudra concentrer les heals sur lui. C'est quoi cette merde? D'accord. Oh mais merde! J'ai pas utilisé la torche. Ah et du coup ça m'a balancé dans le néant distordu. D'accord, ça fait comme les trucs dans le Darkest là. Où est-ce qu'il faut aller? Bon, j'ai envie de voir la curio qui est là, qui a là. Hein. Ah, il est full toujours. Là, il me faudrait un combat pas trop dur pour remettre les gens full en life. À droite, tourne. Ce que tu fais, ça s'appelle du backsitting. C'est la première fois que je fais ça. Tu te plains de quelque chose que je ne peux pas connaître, car je ne me suis pas spoil de la solution. Mais toi, tu l'as déjà fait. Et le backsitting est sévèrement puni par la loi de ce stream. Tu es prévenu. A momentary abatement. Ah, dommage. Ah, ah. J'ai dit toute pas tourne. Ouais. Mais peut-être que t'as traité ma mère. Hein? Y'a rien qui me prouve que t'as pas traité ma mère. Qu'est-ce qui me prouve que tu l'as pas fait? Peut-être que t'as insulté Kameto aussi. Hein? Ça se trouve t'as insulté Kameto. Hein? Peut-être que t'es un hérétique. Y'a rien qui me prouve que t'es pas un hérétique. Si je me mets à compter, j'ai beaucoup de raisons de te faire ma banne, alors attention. Parfait les deux d'un coup. Par contre, j'aurais dû prendre beaucoup plus de bandages. Ils infligent des lourds saignements et j'aurais dû me préparer à ça. Il
Parce que là, ce sera clairement pas assez. Je sais pas où je dois aller. Le donjon a l'air immense. Masterfully executed. Ah, il met tout le temps des gros saignements, lui, hein. Bon, après, j'ai un groupe qui, sur le papier, est capable de me remonter en vie et en stress à l'infini, mais bon, il cogne dur, quoi. As victories mount, so too will resistance. Bah, je peux pas retourner par là. Le flagellant est quasi obligatoire dans ce DLC. Essaye de les stack, champ la bleed. D'accord. Ça, c'est bandage, j'en ai plus. Ok, c'est bon, il a résisté. Il y a des bouteilles de vin partout ici. Oui, c'est ce que je remarque. Ah, nice, deux araignées, ce sera pas mal pour se remettre bien en HP et en stress. ECTV LOL Alderiat. Super pseudo ça. Merci à toi pour le sub. Bienvenue à toi, mec. Non, profite de cette petite araignée toute nulle. Ah ! Oupsie ! D'habitude, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver les renforts. Mais faut croire que dans ce donjon, faire ça, ça punit grandement. D'accord. Ou alors j'ai juste eu un excès de pas de chance. En vrai, je sais pas. D'habitude, quand je fais durer, faut vraiment que je fasse durer très longtemps pour qu'il y ait un mec qui pop. Là, j'ai à peine fait durer, il a pop. Allez, on guide le stun. Parfait. Bon, ça va, elle va rien faire cette goule au final. Tu vas rien faire, tu m'entends? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire du tout, toi. Non. Quand tu as que deux araignées, les renforts pop plus vite. Monsieur le baron, vous êtes ici? Ah non, ce n'est pas vous. Tu vas faire quoi devant 35 personnes? C'était quoi ça déjà? Ça me rappelle un truc. Il avait la dalle. Faut lui donner un peu de sang. Ah bah super. Ah, c'était appelé les Ndek, quoi. En vrai, j'ai envie d'utiliser le final de Koro pour le chevalier. Je vais mettre un heal de zone. Le debuff, c'est quoi cette... Oh, ça debuff grandement le dodge. Attends, quoi? Mais tout le monde est gardé? C'est quoi ce bordel? Lui, il est gardé par qui? Donc c'est lui? Putain, du coup, Koro, il peut pas? Oh, quel merdier! Bon. Bah tant pis, hein, c'est nul, mais... Putain, ils sont chiants les petits servants à garder les gens là. Tiens, tue-les. Putain, il peut même faire un saignement sur ça? Of war can be healed, but never.
Dimister 9-2, merci pour les 5 euros mec. Aldé, si jamais tu vois des bouteilles de vin, utilise une pelle, ça te donnera un feu de camp. Entre parenthèses, c'est pas du troll. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Merci à toi pour les 5 euros. Success so clearly in view. Ouais, je manque pas d'or. Non, je manque plus d'or. On va prendre des petits looms maintenant. Mais ça va jusqu'à où ce donjon? Et ça, c'est pas du backseat? Bah non. Il est gentil, il me donne un conseil. Il est pas en mode, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, ah, mais pourquoi t'as pas fait, oh mais fallait faire ci. Ça c'est pas pareil. Enfin, on pourrait considérer ça comme du backseat en réalité. Du coup peut-être qu'il mérite une petite claque. Mais c'est pas du backseat méchant. Le backseat méchant c'est Didier sur sa chaise. Tu vois, c'est ça. Ça c'est le backseat. Tu le kiffes ton petit dernier donjon pour la route? Ouais. Clairement. Je l'enjoy. On va aller dans cette pièce là. Ça, ça peut débuff le stress. Putain, il est déjà 20h30. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Deux chevaliers. Oh, ce combat va être dur. J'espère que je vais avoir de la chance. Bon, le servant meurt direct. On va très vite buff tout le monde. Lui, il peut mettre des sales saignements. Et en plus, ils peuvent se cumuler. Ok, nice. Bon, pour le moment, je loupe pas mes coups et je dodge. Bon, ils m'ont touché. Un stun. Il y a la riposte. Je pense qu'on va faire rentrer Koro sur le terrain très très rapidement. Genre, maintenant. On va en profiter pour lui faire caster ça. La Vestale pourra pas heal ce tour-là. Enseignement. Il va peut-être se tuer là-dessus. Presque. Il lui a mis du poison. Putain, il m'a vomi dessus le bâtard. Est-ce que les saignements vont se stacker? Non, cool. Y a grave moyen que je le tue. Parfait. Un de moins. La Vestale. Ah oui. D'accord. Bon. Ok. Très bien. Il semblerait qu'il ait pété un câble. J'étais pas prêt pour ça. Ok, j'ai une fiole de sang en plus. Ah mais non, ça c'est que pour un round, ça c'est que pour deux rounds, on s'en fout, non? Bon après, go dégager les herbes. Putain, il est dur ce donjon. Et je sais pas où je dois aller. Et je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de boss. Bon, on va continuer de se balader, hein. N'oublions pas qu'on est dans une quête épique. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Je sais pas. Une torche? Une torche. A fortune waiting to be spent. Quoi?
J'avais même pas vu qu'il y avait un piège. Je voulais cliquer sur les bouteilles qui étaient derrière, j'avais même pas vu le piège. Ah, ça c'est pour le stress. C'est sympa ces longs couloirs avec des petits bruits de moustiques. Wealth beyond measure. Ça, ce sera très utile. Ça, c'est stackable. Ça vaut plus cher que ça. Bon, monsieur le baron, là, s'agirait de se montrer. Ça va, c'est pas trop grand. Avec deux chevaliers, on veut très vite tuer lui. Juste lui avait mis un sale coup quand même. Saloperie. Nice. Non, les chevaliers moustiques là, ils sont trop forts. Ah, dommage. Ville de zone, c'est le mieux que j'ai à faire là. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Il s'agirait d'abandonner ce donjon car tu n'auras pas encore fini à 23h. Non. J'ai dit je finis. Precision and power. A devastating blow. Oh. Ça, c'est stackable. Quoi? La clé n'a pas marché sur le coffre, je rêve? Belle? Mais le gros coffre, normalement, il marche toujours avec les clés, je comprends pas. On va inspecter le wiki de cet endroit après. Hein. Donc, il n'y a rien. C'était une impasse. Où dois-je aller? Elle va mourir. Sacré donjon que vous avez là, monsieur le baron. Je sais pas, je vais essayer d'aller en haut à droite là. Mmh.
Non, y a pas besoin de torches pour s'éclairer ici. Les torches te donnent un bonus de précision pendant une bataille. Sliac 3, merci pour le Prime. Bienvenue à toi, mec. Falloir l'abandonner, je sais pas, ça a l'air tellement énorme. Il me reste plus que 8 de nourriture. J'en ai besoin pour finir la taverne des portraits. Ah ah. Je suis tout perdu dans ce donjon, j'avais jamais fait un truc aussi long. Ok. D'accord, ça agit un peu, la malédiction cramoisie, ça agit un peu comme un mec qui pète un câble après avoir raté un test de stress. Inspiration and improvement. Non, oh. Le classique 1 HP, parfait. Size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ah, c'est chiant toutes ces ressources que je peux pas prendre. Je vais arrêter de check ces trucs, j'ai plus de place de toute manière. Et qu'est-ce qui apparaît ici? Rien du tout! Peut-être que c'est une longue ligne droite, c'est qu'il fallait passer par là. Bon, je sais pas, on va voir. Hein. Je vais aller dans cette pièce-ci et on va voir. Bon, faut pas oublier que tout ce que je fais là, même si je fuis, tout sera gardé. Et les futurs héros reviendront à cet endroit-là. Ouais, c'est ce que je me dis. Faut plus nourriture, antipoison et tout. Quoi? Rien du tout! On retourne dans la salle des combats et on retourne au tout début. Donc là, j'ai exploré tout ça pour... D'accord. Content! Très très content! Très content! Thank you.
Allez, allez, ça continue, hein. Et qu'est-ce que j'ai dit avant d'entamer ce donjon? Allez, je m'en ferai bien un petit dernier. Un petit dernier. Ah, je suis tombé dans le piège. En même temps, c'est la première fois que je tombe sur un donjon comme ça. C'était il y a 40 minutes quand même, hein. Ça fait déjà une heure que je suis là-dessus. Nice. Nice. Pas très résistant au stun, lui. Parfait. On va en profiter pour rajouter un buff de zone. Un HP. On veut du sang. Et fuck. Ah ah. Tout est parti de là. N'oublions pas que c'est parce que j'ai misclick. Là, au lieu d'utiliser une torche, j'ai utilisé mes mains, du coup ça m'a TP. Qu'est-ce qu'il y avait donc ici? Un pot. C'était pour un pot. Un pot qui m'a fait perdre du moral. Pas besoin, on va garder nos torches. Quoi? Ouvrez-moi! D'accord, je dois trouver une clé. La clé qui est quelque part. D'accord. Eh bien, on va chercher la clé qui est quelque part. C'est sympa comme petit donjon pour finir le stream. Donc c'est ici. La clé? Non, j'imagine que la clé, elle est pas sur un truc random, elle doit être sur un boss ou quoi. Ah, il l'a déjà gardé ce salopard. Allez, on va tuer ce satané servant de merde. N'oublions pas la prostituée en backline. Prostituée qui peut devenir très méchante. Ah, elle a résisté au stun, c'est dommage. Ah, elle est devenue très méchante. Et que ça me vomit dessus. Élimine ce mec là, ah bah super. Élimine le. Ah bah super, un HP. Elle fait quoi là? Ah mais c'est dégueulasse. Des tonnes de dégueulis. Des tonnes de dégueulis dans ce donjon. Des tonnes et des tonnes. Qu'elle aurait le temps de jouer. Bon, j'ai résisté au saignement. Elle va me marquer, certainement pour préparer une grosse attaque, mais qu'elle n'aura pas le temps de faire. R-
Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Messieurs les moustiques, je cherche une clé. J'aimerais une clé. Je commence à avoir faim là. Oh! Ah! Ma passion pour l'argent est trop grande, je ne peux pas résister à l'appel de l'argent. Qu'est-ce qu'il y aura? Il a besoin de boire l'autre. Quoi? T'es pas un coffre? T'es un être humain? Salut? D'accord? Quoi? Bon, moi on l'a sauvé. Voyons le bon côté, on a sauvé Briggles. Briggles est sain et sauf. Sir Crozer, merci pour le sub, bienvenue à toi. Il va devenir fou lui, hein. Bon, bah Briggles est sain et sauf, c'est le principal. Au moins c'est paladin. Peut-être que la curio c'est la clé. Donne-moi la clé. Trois servants. Allez hop, ça suffit des conneries hein. Il m'attaque avec son nez. Oh, il est devenu fort. Grâce à son attaque née, il est devenu puissant. A momentary abatement. Ah. Dégueulasse! Bon, j'aurais pu regagner de la vie et du stress sur ce combat, c'est bien. La clé, monsieur, la clé? Ah, ce n'est pas la clé. C'est la vie. Ah non, c'est l'argent. C'est rien de ce qu'on veut. Peut-être que ces brigands en bas ont la clé. La clé? Possédez-vous la clé? Oh. Bon. Bon, il y en a déjà plus que deux, c'est bien, c'est bien. Pas très résistant au stun, ceux-là, moins faible. Il se replace quand il fait ça. Je pourrais... On va tenter de stun l'autre du coup et full focus celui-ci. Ou alors je lui mets une couche de huile. Ouais quand même. Que fait l'effet sanguinaire du lépreux? Ça augmente ses dégâts, sa rapidité, sa résistance au quoi? Aux maladies, enfin au poison et au stun. Mais ça réduit sa résistance au saignement.
Lui en priorité l'enseignement. J'aurais dû faire l'autre coup de dague. Aïe aïe aïe. Avec l'autre coup de dague j'aurais peut-être tué mais c'est pas sûr. C'est son dernier tour de saignement. Très bien Trinitix. Très bien, très bien. Oh non, non, non. Ok, j'ai cru qu'il allait frapper quelqu'un. Bon, ça va, je m'en sors plutôt bien. Nice, du sang. Des pierres. Où est la clé? La clé, je vous prie. Et la clé, c'est pas juste la clé de ton inventaire? Oh que non. C'est pas du tout ça. Clé? Pas de clé. Scouting! Allez, moi je dis c'est là. Et marcher dans quoi là? Les petits bâtards! Ils veulent saucer Koro! Ah, et ça esquive. Non, c'est pas Koro, c'est Chris, c'est Zera. Ok, elle a le temps. Oh, merci. Oh, merci, merci, merci. Oh, merci, 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 merci. Ça va. Grâce au crit, tout est bien, qui finit bien. Sauce-le ce salopard, sauce-le. Saucez-les tous. Allez, check. Scoutinge. Ah, j'ai plus d'unité de nourriture. Pièce. Pièce sans clé, j'imagine. Pas de clé. Allez par ici peut-être. Quoi? Eux aussi ils sont là? Il y a tout ce qui est dégueulasse dans cette extension. Le problème, c'est qu'on a plus de nourriture. Je pourrais plus manger. Faudra uniquement compter sur les îles de la Vestale. Ça va commencer à être tendu. C'est vrai que je peux couper maintenant et reprendre quand je veux. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Si ça devient vraiment trop n'importe quoi, genre au-delà de 22h. Ouais. Mais là. Tranquille, il est quelle heure? Il est 17h30. On a encore tout le temps. Quatre HP. Je vais aérer un peu là quand même. Parce que niveau chaleur commence à être un sauna cette chambre. C'est vrai que ça se trouve, la clé était tout simplement là. Ou là. En vrai, je serais même pas mad. Être un joueur de Diablo 2, ça m'a appris à adorer clear absolument l'intégralité de la zone. Du coup, je serais même pas mad. Peut-être par là. Oh! Ça, ça nous permet de contourner la clé? Si on va là, on n'a pas besoin de clé. Ou alors le boss, il est là? Ah, j'en sais rien. On va aller voir. De toute
façon, quand c'est la première fois que tu fais ça, t'explores tout et voilà. Allez, check, on sait jamais. Ah, un petit saignement. Bon, ça va, le saignement est léger. Et c'est le seul qui a pris des dégâts de la team. C'est gérable. Vous voulez du sang, ma pauvre dame? D'accord, c'était pas worse. J'aurais préféré garder. Bon, moi, je sais que c'est avec du sang. Et là, où suis-je? Oh! Je peux y aller par là? En arrivant par derrière? Ou alors ce sera fermé des deux côtés? Laissez-moi rentrer! Bon bah... Poup, pilou. 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 Pipou. Pop, pop. Pipou. Pop. Bon, va falloir gérer le heal et les dégâts du stress et tout ça sans nourriture. Hein. Je sais pas si ce groupe va y arriver. Là, j'avais vraiment besoin d'un combat facile. Et qu'est-ce que j'ai? 3 chevaliers. Ah! Bon, il y en a déjà plus que 2. Allez, c'est dans l'adversité que les grands héros se révèlent. Merde, le healer est stun. Ok, c'est un crit. Trinda, il a soif. Faut le faire boire, le petit Trinda. En espérant trouver du sang. Tue personne, frappe pas tes alliés. Voilà. Voilà. Dodge, parfait. Allez, on gère les dégâts de stress. On essaie de regagner un max d'HP. Un max d'HP, j'ai dit. Pourquoi je spamme pas mon buff de zone plutôt que de baisser le stress? Parce que je sais pas pour combien de temps je suis piégé là-dedans. Du coup, je dois maintenir mes héros relativement haut HP et relativement bas en stress. Je pense que la clé est là-dedans? Peut-être pas. Ils m'ont mis un boss comme ça gratuitement? Bah, la suite dans le prochain épisode, hein. Là, on veut les buffs. Il va se mettre sous l'eau. On s'en fout qu'il fasse ça. Même si on le touche pas, ça active la riposte. Full life. Ouais. Je peux rien faire. On va continuer de stacker. Je pense qu'on va bientôt faire rentrer Koro pour son final. Ah. Ah oui. Ah, c'est comme ça par ici, très bien. Ah oui. Oui. L'ambiance a brutalement changé là. Allez Koro, tu dois clutch. Faut espérer qu'il fasse pas une compétence de protection. Submerge lui donne beaucoup de dodge. Au pire on peut attendre. Ville de zone hein. Nice, un crit. Aïe 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 aïe. Ok, il a pas crit. Et du coup il s'est mis à découvert. Du coup Koro va pouvoir faire mal. 56% de crit. Allez Koro, enfin Narcus.
Ta chanson elle est nulle de toute manière, elle est nulle. Ah là, je te le dis. J'ai juste fait semblant de l'apprécier un peu en stream pour pas être méchant, mais c'est de la merde, c'est de la merde. Ta chanson d'Arcus, c'est de la merde. Voilà, que ce soit dit. Aïe aïe aïe. Oh, let's go. Non. En plus, l'été de Seco Narcus, c'est la pire saison, t'as pas de goût. Allez, Zach. Yes. Oh, mousquetier only. La clé? Pas besoin. La clé? A handsome reward. Pas la clé. For a task well performed. Quoi, c'est dégueulasse? Un sac de molaire. Un sac de molaire. On n'est pas là pour l'or, hein. Bon. Allez, on continue, les gars. Le plus longtemps qu'on peut. Là, le dernier combat m'a mis mal. J'espère que le prochain sera facile. Encore du scoutinge. À une grande ligne droite. En général, il y a des bonnes choses au bout des longues lignes droites. Allez, la clé. Ah. Ah. Je continue. Injury and despondence set the stage for heroism. Poor cowardice. Mamma mia, mais non! Ok, il pourra faire son île de zone, mais il va pas pouvoir jouer. Touch my panda, merci pour le prime. Bonne chance. Mikazuchi, merci pour le prime. Bienvenue à toi. Ah, il en a protégé un. Ah, et en plus ça crie. Ah. Oh, nice, dodge, riposte. Dodge, let's go. Il a pris un peu de dégâts. Allez, si ça crie, ça peut le faire. 1 HP. Tue-toi. Nice. Crit. Nice. Tiens. A momentary abatement. Ça va. Non, ça va pas du tout en vrai. J'ai encore bien trop de dégâts sur la gueule. J'ai pas de bandage. Ah. Il m'aurait fallu un quadruple crit de heal. Un quadruple crit de heal aurait été fair, je trouve. C'est mon avis, hein. Un HP. C'est que je te déteste quand tu fais ça. On est en mauvaise posture et on arrive au bout d'un long tunnel qui abrite certainement un boss. Et c'est
justement pour ça qu'on va y aller. Y'a pas de boss. Mais y'a qu'un ramassis de cons. Et y'a même pas d'objet rare derrière. Quoi? Elle nous a traité là, elle nous a traité. What? On fait jamais ça de ta vie, Morneau. De toute ta vie, tu refais jamais ça. Il a cru que c'était la fête, clairement. Il a pas pris des tartes assez, lui. Mogo, merci beaucoup pour les 14 mois. Quelle est la différence entre une Ferrari et une érection? J'ai pas de Ferrari. Merci du partage. Bon bah c'est fini. Non. Non non, c'est mort, il est 21h. Non non, je vais enculer mon rythme. Non non. Je vais enculer mon rythme. Putain, j'avais dit un petit donjon, ça fait une heure, je sais même pas combien de trucs il reste. Non, 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 non. Non, parce qu'après si j'encule mon rythme, je vais être trop énervé contre moi-même. Et j'ai pas envie que ça arrive. Daredevil, Clutch Hitter. Ah, ver solitaire dans le ventre de Narcus. Non, 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 non. J'ai pas bataillé autant de jours pour me remettre à me lever à 8h du matin tout pile pour tout ruiner avec des moustiques mutants. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai pas fait ça pour ça. Putain, Zack. Attends, mais Zack, il a le droit de rien en fait? Ah putain, il peut que parier. Ah ah! Je t'ai counter par la richesse. Tiens. Quoi? Non, non, non. J'ai misclic. Bon, bah voilà. Donc là, ce qui se passe. D'accord. C'est que vu que c'est une quête épique, quand je vais réembarquer, je vais revenir à l'endroit où j'étais. Bon, j'ai découvert pas mal du truc. Ouais, non, tu vois, il y avait quelqu'un qui me disait que les niveaux 6 pouvaient rentrer là-dedans. Mais non, ils ne peuvent pas. C'est une mission de niveau 3. Donc, jusqu'à niveau 4, ils peuvent. Au-dessus, ils ne peuvent pas. Ok, ok, ok. Bon. Bah les gars, c'était super sympa ce stream. J'ai réussi à battre le Darkest Dungeon avec 4 croisés. Bon, j'en ai perdu 2, mais il n'y avait pas le choix. Le boss final me demandait une rançon 2 fois. Et j'avais aucun counterplay à ça. Enfin, si le seul counterplay que je vois, c'est de le one-shot. Mais c'est pas avec 4 croisés que j'allais faire ça. Darkest Dungeon de compléter. Tout ça grandement avancé. Courtière de commencer.
Non, je pense qu'on peut être fiers de nous pour ce stream, les gars. On a bien avancé dans Darkest Dungeon. Maintenant, faut s'attaquer aux courtyards. Quelle est la durée de vie de cette extension? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas combien le temps est dur, je l'ai jamais fait. La seule fois que j'avais fait le courtyard, c'était au tout début dans ma première campagne quand j'étais un noob. Et j'étais vraiment le noob de base. Donc ce qui s'est passé, c'est que avec mon groupe de niveau 1, de niveau 1, 2, tu vois, j'ai fait « Oh, c'est l'extension, j'ai pas payé l'extension pour rien après tout !» Du coup, j'y suis allé, sans rien connaître au jeu, sans rien comprendre au jeu. Et le crocodile, il m'a enculé, il m'a tué tout le monde. Il m'a tué absolument tout le monde, et j'ai fait « Mais c'est nul ce jeu !» Et je l'ai rage-quit pendant 2 jours. Puis après, je suis revenu. Et voilà, c'est mon histoire avec Courtyard. Donc je ne sais rien de cette extension, ça va être une découverte totale. Vas-y les gens. C'était cool, j'arrête pour aujourd'hui.